Virginie Gaspard, bonjour. Bonjour. Merci d'être l'invité cette semaine de l'interview du vendredi. D'accord. Virginie Gaspard, famille à Paris-Champlain? Non. Non, pas du tout. Donc, je vous ai découvert vous dans Vibe. Depuis longtemps, vous chantez? Vous avez chanté depuis longtemps dans chorale, quelque chose comme ça? Depuis longtemps, je chantais dans l'école, le manifeste et tout. Après, je suis rentré, je suis intégré la chorale à l'âge de 12 ans. Jusqu'à mes 14 ans environ. Mais mon allée vient à faire le choral là aussi. Le choral Saint-François Xavier plus précisément. Après, je chante de salle de bain avec mon mari à la plage, quand il y a la santé, ou bien à la case avec mon camarade et tout. Donc, la santé, c'est une affaire de famille? Voilà, chanter, c'est une affaire de famille avec le mari, frère et soeur. Enfin, la famille, nous comptons la musique, nous, madame Arthur, mais. Nous comptons la musique, voilà, c'est une histoire de famille. Qui décide de faire Vibe? Vibe, à la base, moi, je connais même qui se passe à l'émission là, qui a commencé, casting qui a commencé, c'était une camarade qui s'appelle Damien Rose. Lui qui inscrit moi, à mon insu, il inscrit moi Vibe. Et lui, parce que moi, je connais aussi, il aime, là, tu peux contacter moi, ceux qui me connaissent, lui, téléphone moi pour des mamans, moi, date l'anniversaire. Là, qui m'a connu, qui m'a dit que je vais te mettre à l'université de maman pour inscrire toi à un casting. Et elle m'a dit non, je ne peux pas participer, moi, je ne peux pas la retirer et tout. Je dis non, allez, nous essayons, nous guettons. C'est comme ça qu'il m'a atterri dans Vibe, moi, je me fais mon premier audition, qui m'a manqué, raté d'ailleurs, parce que je suis tort, je peux enverrer tout le côté de moi. Tu peux expliquer un peu? Oui, 3h30, je suis à mon rendez-vous, 4h, je suis arrivé à Phoenix, je suis retourné. Et là, je me dis, non, allez nous guetter, c'est là. Je t'ai passé, sinon tu retourné. Je suis venu, et là, c'est comme ça que je fais mon audition. Après, je t'appelle moi pour faire une audition. Et c'est après cette audition qui m'a qualifié pour être les premiers des 48. Quand la MCB, l'équipe Vibe, une chance de dire là, l'affaire d'appliquant. À ce moment-là, oui, me dit, oh là là, mais quand même, ça continue parce que comme tu viens d'interview, tu viens d'audition, tu disais, man, talent, que tu peux s'en chanter. Je disais, je disais, un niveau, donc comment je peux faire là, moi, et tout. Mais quand je dis, appelle moi, je dis, quand même, je trouvais qu'il m'en a quand même une place, ça va aller, nous continuons l'aventure, nous guettons ce qu'il y a à côté de ça, aller. Au fait, c'était en permanence. Je vais découvrir moi-même un peu plus à chaque fois qu'il m'en vient. Quand l'équipe Vibe India ou sélectionné pour faire parmi les 48 premiers, comment l'ambiance c'était dans la famille? Vous l'avez excité, vous disiez ça, vous avez un concurrent dans la maison qui prenait un cheminement. Qui pas pareil que mon lit et chanter à la plage. Mon mari, au fait, depuis la première fois, je vais te la voir pour amener toi bien loin. Lui, il garanti à 100% qu'il ne va pas arriver jusqu'en finale. Moi, qui ne pas te croire, en fait. Pour ceux qui ont la famille, mon gardien, qui ne pas te tenir, en fait. C'est moi qui peux te tenir à chaque fois, parce que je peux expecter pour arriver à ce niveau-là. Donc, quand je fais un téléphone, moi, pour dire moi, ça a un moment de crier et tout. Mais la famille, je dis, nous connaissons, nous ne pouvons pas être à 4 ans, nous sommes déjà au courant, nous pouvons arriver à un certain niveau dans l'émission. Est-ce que tu as besoin de préparer vous spécialement pour voir, parce que mon guide l'émission là, c'est du grand haut niveau. Est-ce que vous préparez vous psychologiquement, quand tu peux chanter dans la salle de bain, ou tu peux chauffer la voix? En fait, jamais moi ne suis cours. Qui coaching vocal, qui cours de chant, jamais me suivre. Donc, moi, je connais comment pour faire échauffement, comment pour. Et tout. C'est quand on vient dans Vibe, quand on est coaching, on a l'esprit de la MCB aussi, mais un coach vocal. Il parle de coach, nous disent pour santé, comment pour santé, comment pour faire ma note et tout, mais comment pour interpréter, comment pour faire une show, comment pour aider la scène. Parce que bien souvent, parfois, je ne peux pas critiquer, mais je ne peux pas dans le concours. Parfois, tu as une santé, une vie, une santé, pas de aucune semaine. L'INSI, montre-moi comment je vais faire. Premièrement, pour mon guide, pour mon carrière, ouvrir mon léger comme santé, c'est extra compliqué. Il paraît simple, mais c'est extra compliqué pour moi. Pour mon capable guide du monde, assez ouvert léger l'étape, assez pour passer mal l'émotion, faire mal les affaires avec mon voix. Tellement une ta question passer dans la tête, guépère, mais l'inzi, coach vocal qui nous gagnait dans Vibe, il montre moi comment pour surpasser tout ça, comment pour servir l'émotion qui m'avait gagné là, dans la meilleure façon possible de me sentir.
qui est difficile pour un artiste pour valider? Il vient faire la foule ou bien non, là-bas c'est un bon surprise, tu viens convaincre ben, pas au talent, pas au prestance. C'est compliqué parce que moi, j'ai des gens qui m'ont extraverti dans la vie de tous les jours, je suis content que vous ayez, mais quand il s'agit de dévoiler ses sentiments, comme je dis, je suis plus pudique. Plus facile pour moi que vous ayez fait des blagues qui, comme je dis, je suis. Soi-même, je suis. C'est quand tu peux sentir, c'est une mise à nu en fait. Parce que quand tu peux sentir une santé, tu peux rendre la peau, le personnage de la chanson, pas ma neutre, j'ai pas une parole, non, c'est une histoire qui peut raconter à ça. Mais vous avez servi ma propre émotion, ça fait que mon ressenti, ma quelque chose fouille de mon passé, ma douleur, ma la joie, ma sentiment comme ça, pour me servir ça, pour me mettre ça de santé là, pour que du monde capte et comprend qui m'a fait dire. Mais ça, c'est plus compliqué pour moi. Ça a été compliqué, ça a compliqué pour moi. Comme je l'ai dit pour la première fois, je mon cousin de coach, il dit a des années de carrière, il fait télévision, il fait radio. Comment ça tu? Comme on dit dans l'Indy, on dit aux anges, parce que l'Indy mon chanteuse préférée. Donc là, là où dans bonheur, le bonheur avec un bonheur, en fait, c'était quand au fur et à mesure que Pépé vient d'avoir mis à jouer dans l'Indy, parce que comme on a la panne. Le journal qui est l'équipe coach vocal, je dis, ah, si mon récit de 48 là, au moins c'est déjà ça, mon besoin en lindy, même pas plus loin pour besoin en lindy. Mais mon gars, ça pour moi, c'est même mon parti de Jelly aussi. Je dis, mon pissement, puis ça compte tout le lit des prêts pour avoir besoin en lit, tout ça là, c'était une. On a pas un côté professionnel, parce que c'est un grand professionnel, mon gars, l'occasion de mettre lindy, l'autre, un grand concert. Est-ce qu'on apprend quelque chose, la façon d'appuyer, d'introduire? Il y a un peu, il dit content, mais Julia, est-ce qu'il doit aller un peu à côté de Julia qui l'indie content, mais quand il rentre en scène? L'indie, comme une jeune Oli, au fait, moi, on a découvert qu'il y en a beaucoup points en commun. Comment? Parce qu'il est aussi content de causer comme moi, comme ça, puis il faut nous garder, pas encore la moins l'indie. Donc, il montre moi comment pour professionnellement oui pour comment pour passer ma note comment dire comment je me sens bien mais aussi comment pour être présent sur la scène si mon envie de durer dans ce métier là qui m'a besoin comment m'a besoin une grande dose d'humilité. C'est important l'humilité. Oui, c'est très important parce qu'il ne faisait pas oublier que si nous sentir c'est ce qui l'indique montre moi qui m'a déjà connu mais il confirme moi ça en tant qu'un artiste qui n'a plus de 30 ans encore hier qui nous faisait aussi nous pas en nous point de man stars pas quoi parce qu'ils sont public nous un artiste qui pas non ni donc tu as venu à la plus belle voix du monde mais si tu peines à l'humilité à quoi bon parce que si tu peines à personne pour toi personne pour content toi pour écouter toi santé mais t'es rien alors en tant qu'artiste. Pour une fois monte au scène là on a caméra on a lumière on a banjo comment tu sens tracas stress monté l'estomac inséré ou bien l'indigo. Respirer, faire le vide après. Ouais. Ben, au fur et à mesure que nous faisons le coaching, au fil des mois, l'Inzine apprend que moi très bien. Et il connaît que moi stressé, moi. L'Inzine explique-moi comment on peut faire pour respirer tout avant de monter la scène, comment on peut monter la scène aussi, qui m'a besoin, servir mon stress dans le bon sens. Pour être capable de santé, expliquer bien, exprimer, parce que maintenant seulement. 3 minutes pour me convaincre, jury qui m'a dit reste de l'aventure. Donc, ces 3 minutes-là, c'est un de. Comment dire, dernière fois, on peut monter la scène de mon avis, santé, comment dire, dernière fois, tu peux santé. Et donne tout de toi-même, pas, être, sois généreuse, comment dire, portager avec ton public. Parce que c'est ça, en fait, le but d'un artiste, faire un portage. C'est ce qu'il montre. Moi, écoute, une fois que mon récit capte ça, mon cas monte la scène santé, mais il est vrai qu'avant de monter là, ça m'a fait monter là, j'ai envie de sauver tout là parce que j'ai trop peur, j'ai trop trac et tout. Comment vous l'aventure va au fil des émissions, au fil, puis vous pouvez sentir, puis comment ça entend, puis monter, puis. Comment vous vivez? Mon vive l'aventure de vibe en tant que chanteuse. Mon vive lui extra bien parce que je apprends beaucoup. Mon verse beaucoup l'homme. Une vieille crier parce que madame là est une professionnelle. Il dit moi c'est qui pas bon carré cache de figure c'est qui bon aussi pour complimenter moi et tout mais normal nous pour travailler c'est qui pas bon normal quand nous ensemble nous allons travailler là et tout mais aussi humainement aussi mon sentiment bien grandi
parce que mon cadre est un peu plus féminine où j'allais moi tu mettais longtemps moi a un peu plus confiance en moi donc même dans mon couple il y a beaucoup quelque chose qui ne se solidifie moi les enfants fiers de moi mais vibe c'est un tout c'est au fait c'est pas juste une compétition de santé compétition de chant mais pas juste ça l'inéna l'effet extra positif l'aventure la même en lui-même l'homme la vie si me demande nous un mot pour résume vibe qui c'est un mot que vous trouvez mon problème un mot qui cadrait bien là prends le temps c'est qui m'a capable de c'est vibe c'est adieu témoin d'amour un mot pas quoi mon phrase une phrase ça dit une phrase qui m'a capable de vibe c'est une racine. Par exemple, mon petit dit pour mon mari, vibe, c'est une racine pour moi qui me permet moi, de déployer mon branche pour mon fils. Et il me passe pour moi. Je pense pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de ces candidats qui viennent participer de Vibe Maurice. Il y a un grand effet. Nous, nous la vie musicale et nous, nous la vie. Vous ne changez? Oui, mon sentiment. Je ne pas connu avant, mais est-ce qu'on oui. Sentit que sa coaching, là, sa compétition, là, une chance Virginie oui. C'est une autre Virginie qui est devant moi. Là. Oui, mon cas confirmé, moi, parce que moi, je connais plus qu'il n'est pas été, qui s'en a pensé, mon cas a déjà changé. Parce qu'il m'a changé de, pour le meilleur, j'espère, hein, pour ce qui peut être moi, parce qu'il m'a tiré une petite fille qui. Comme un membre de la MCB, un du monde de la MCB, tu dis moi. Tellement que du monde traite toi comme de la. Un commence par M. M. Voilà. À un moment donné, moi, tu commences à sentir moi comme ça, moi aussi. Qui me semble maintenant, aujourd'hui là, Virginie, pour dire du monde qui performe, du monde très haut de M. Qui vous dit? Qui vous dit? Bien sûr. Qui a la voix pour là, mais c'est moi qui ai besoin de travail pour tout ça, c'est là. Moi, je vous dire carrière, mais c'est similaire à la lumière. Moi conseil moi mon pensée du monde bien pas dire qui je te même d'abord il arrête je ta problème au contraire faire ça vient nous la force parce sinon on n'est jamais fini tout le temps moi je sais jamais fini avant que mon dieu tant que nous j'ai pas qu'on ferme la mine croisée nous l'estomac non on n'est pas qu'on fini ça veut dire pas tant à ce qui l'occasion vient bien tout est une question de choix d'après choix qui nous fait si tu fais un choix pour reste en arrière, plaigné, reste de ton problème, tu pourrais ça dans même. Mais vous êtes sorti, il y a tout le temps une simi. Nous qui faisons faire le choix. Mais connais qui va bien sur ce vainqueur ou pas déçu? En fait, au tout début, quand tout le monde me pensait tous les 8 candidats, quand pas nous qui gagnons normal, nous avons une petite déception, c'est normal. Mais après, ben, moi, je considère qu'il m'a gagné plus qu'il gagne. Parce que gagner, c'est bien. Mais durer aussi, c'est mieux. Donc, le challenge, c'est durer maintenant? C'est durer. Moi, le challenge, pour moi, c'était durer parce que je viens de faire vibe. Pas que pour le fun, mais aussi pour mon capable, parce que j'ai envie de faire ça avec ma profession. Donc, est-ce qu'ils m'ont capable de l'avenir dans la musique, de l'avenir dans le monde de la télé? Ben, à travers vibe, moi, peut-être pas une vibe Maurice, mais moi, et mal les autres, la porte est ouverte pour moi. C'était mon but. Quand on a un téléphone, ils ont ou sélectionné pour une émission en France. Comment me sens-tu? Me sens-tu extra content. Extra content. Je crie, crie. Écoute-moi. Parce qu'ils me disent, oh là là, peux pas dîner là? Je dis, non. Parce qu'après, tu as un numéro français et tout. Et je dis, non, pas peux pas dîner. Nous pouvons nous intéresser pour. Content de l'avoir, tu es content pour participer à l'émission. Je suis content de partager entre la joie et aussi, je me dis, comment je peux faire? Parce qu'ils ne m'ont pas préparé à ça, ils m'ont donné les moyens pour me voyager, pour moi dans l'émission. Comment vous faire? C'est à ce moment-là alors, comment dire ça là, mon grand sauveur, la MCB, Alain et la MCB, une bolée, il disait moi, ben Virginie, nous apprenons qui tu as sélectionné pour qu'on t'a proposé de faire The Voice. Est-ce qu'il t'a intéressé? Il m'a dit oui, mais comment pour faire pour financer tout? Je ne suis pas capable, moi, je ne vais pas être à cas, nous pour être toi. Au fait, je t'ai une pote, moi. Moi, je dis ça. Je t'ai fait tout. Je t'ai payé mon billet d'avion, mon logement, tout. Même comme une malade aussi, mon médicament, tout. Tout, tu finis prévoir. Je dis, allez,
je dis, crois dans moi assez, même plus que moi, pour qu'il porte moi vers The Voice. Mais maman, une question, est-ce que la structure de Vibe, la structure de Voice, c'est deux mondes différents? Ou bien, il est presque pareil quand on rentre là-bas, c'est presque pareil. Vous prenez une bonne restriction, mais est-ce que c'est pareil? Si c'est pareil. Moi, ce qui m'a dit, c'est que Vibe Maurice n'a pas grand chose à envier à The Voice. Parce que je suis aussi bien professionnel de façon prochaine, tout pour une première fois. Moi, je pensais que, bon, comme on arrive là-bas, les pas c'est différent. Moi, je finis dans cette expérience avec Vibe, là. Comme on arrive dans The Voice, moi, pas tout, il y a trop de différences. Moi, je finis comprendre la mécanique qui n'est pas si différent que ça. On rencontre un peu ben les autres participants, pareil que moi, dans Vibe au début, on passe une audition, on apprend de quelque chose, on fait un camarade là, même une française, une française, moi pas on est. Ah oui, beaucoup de camarades m'ont resté en contact avec tous ceux qui m'ont joué. Oui, j'ai beaucoup de camarades, je dis l'amitié, créer, ça que, ben oui, plaire, tout quand nous comptons, moi nous comptons nos camarades, même les garçons et les filles, tout, man garçon, créer moi maman. Même un petit fille là aussi, tu vois, même on va trop vieux auprès de eux. Mais nous garder une certaine proximité avec ben, les talents qui m'ont croisé, super, l'entente terrible. Ben mon chien, tout la première, il y a quelques jours. Quel souvenir vous gardez de la première dans votre voice pour une fois au passé? C'était un souvenir magique, mon garder un souvenir de ça parce que c'était une émission que je regarde depuis la première saison. Et rétro-moi là-bas, c'était un rêve. Donc, il pourrait être une jolie histoire pour raconter au moment de ses enfants. Que chanter la classe? Quel style musical? Moi, je connais tout chanter la classe. Quand on est dans la salle de bain, je me sens dans la salle de bain. Que chanter la classe? Virginie est éclectique. Il écoute toute la musique. En fait, moi, j'écoute chanter d'après parole. Si une parole plaît moi, mélodie là pour plaît moi automatiquement. Donc, moi, j'écoute de tout. Je écoute un reggae. Je préfère reggae. Ouais. Mais moi, j'écoute rock. Je écoute un oldies, bande santé, je écoute jazz, blues, je écoute un rétro, peu importe, même la musique Bollywood aussi, je écoute. Donc, si une parole plaît moi, mélodie pour suivre, donc, pena, un style en particulier, mais je préfère faire reggae quand même, je sens que je m'en plais à l'aise. Et tout reggae préféré, moi aussi, je écoute moins de Bob Marley. Oui, moi, je compte à Bob Marley, c'était moi, là. Une ta Groundation. Groundation. Je suis bien content, Ah, mon grand héritage, je suis content la musique de mon mari aussi, hein, très blues. Dernière question, Virginie Gaspard, qui m'a souhaité? Qui m'a souhaité? Ben, M, alors. M? Oui, c'est moi, ben, M, pour qui m'a dit, si mettre Maurice à l'honneur, et honneur à Ali Maurice. C'est double M, alors, c'est? Double M. Double M. M pour la MCB, M pour la MM. M. Donc, merci beaucoup, Virginie. De rien.